Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Ça fait plaisir. Ouf, on est là. Pas tous, mais... Bon, ça fait vraiment plaisir de voir vos têtes. Avec Julien, mon mari, on a pris beaucoup de plaisir à exploiter ce temps pour faire des blagues derrière la caméra, mais c'est mieux de vous avoir en face pour de vrai. Bon, même si maintenant, j'ai remarqué qu'on devient tous experts en exagération d'émotions pour que surtout la personne en face voit que là, je suis en train de rigoler, là, je rigole à ta blague. Oui, j'ai bien compris. Voilà, donc je compte sur vous hein, pendant le... voilà, soyez hyper, hyper connect avec les ailes, avec les yeux. Bon, non, vraiment, je suis contente de vous retrouver. Et aujourd'hui, c'est un message, voilà, c'est un message de Pentecôte. Donc symboliquement, voilà, c'est encore plus fort. On sort de ce confinement avec le message que l'Esprit veut souffler sur son Église. Et je crois vraiment, moi c'est vraiment ce que je retiens en fait, de toute cette période, de tout ce qu'on a vécu, c'est que peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe dans le monde, autour de nous, dans notre vie, l'Esprit Saint veut souffler sur son Église, en tout temps, en tout lieu. Et que peu importe les circonstances, l'Église sera jamais, elle ne va pas disparaître en fait. C'est pas le plan du Seigneur que l'Église disparaisse. Certes, il y a des assemblées qui peuvent de temps en temps mourir, il y a des assemblées qui peuvent se ramollir, il y a des tas de choses qui peuvent se passer, une foi individuelle qui peut se tarir, il y a des tas de choses qui peuvent se passer, mais l'Église ne peut pas mourir en fait, parce que ce n'est pas le plan du Seigneur. Et que ce soit en temps de crise sanitaire comme on a vécu, ou que ce soit en contexte de persécution en Érythrée ou au Liban, il y a vraiment pas de contexte dans lequel l'Église disparaisse totalement. C'est pas possible. L'Église est appelée à vivre et c'est ce souffle de l'Esprit Saint qui vient sur elle et qui veut l'appeler à la vie. Et sans l'Esprit Saint, on n'est rien d'ailleurs. Alors, je vous invite justement à lire le grand classique de ce jour de Pentecôte. La première Pentecôte, c'est le moment où les disciples ne savaient pas ce qu'ils attendaient. Ils étaient confinés, ils étaient dans cette période totalement bizarre après l'ascension de Jésus, où ils se retrouvaient certes rassurés sur le fait que ils l'ont tué, mais il est quand même ressuscité, il est remonté auprès du Père. Ils étaient rassurés, mais ils étaient quand même seuls. Ils étaient rassurés. Au niveau de leur foi, ils étaient rassurés, mais ils étaient seuls. Ils avaient peur quand même. Il y avait quelque chose qui fait qu'ils étaient entre eux, en train de prier, d'attendre un truc qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas la forme, ils ne connaissaient pas la modalité. Jésus leur a promis quelque chose, mais c'était très très flou. Et eux-mêmes, ils étaient dans le flou en fait. Ils étaient dans une circonstance qui était très proche d'un confinement, quoi. Alors je vous invite à lire donc Acte 2, allez, versets 1 à 11. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de toutes les nations du monde séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles et disaient « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée ? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer chacun dans notre langue maternelle ? Nous sommes Parthes, Mèdes ou Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, ou encore la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Amen. » Ah, donc vous voyez ce contexte.
En fait, les juifs pieux là, qui viennent de partout, c'était précisément ce genre de personnes que les disciples craignaient, en fait. C'était des gens qui étaient totalement sûrs de leur foi, mais et pour qui Jésus avait blasphémé. Et donc, ces disciples qui se retrouvent en train de prier, voilà, ils sont apeurés d'aller au contact de ces personnes-là qui ont, bah, 50 jours plus tôt, enfin un peu plus, qui ont crucifié leur sauveur, en fait. Donc, c'était énorme pour eux. Et là, tout d'un coup, il y a cet esprit qui vient et qui les envoie. Et tout d'un coup, ces personnes vont sortir totalement de leur confinement, de leur coquille, et ils vont aller annoncer précisément à ceux qui, à ceux qu'ils craignaient, en fait, à ceux dont ils avaient peur. Ils vont à la face de l'ennemi et ils vont dire, ben, on n'a plus peur de vous, en fait. On est rempli de tellement d'amour, on est rempli de Dieu, Dieu vit en nous. Nous ne pouvons plus vous craindre, en fait. Et nous avons même mieux pour vous. Nous vous aimons et nous avons une énorme nouvelle à vous annoncer. Et ça, c'est juste incroyable. Et alors, en fait, moi, je trouve qu'il y a plein de choses dans ce texte. Et la première des choses que j'aimerais partager avec vous, c'est que... peut-être vous en avez marre d'entendre parler de confinement et tout, mais moi, je trouve que c'est toujours pareil. Il faudrait peut-être... il ne faut pas trop... sortir trop vite sans analyser ce qu'on a vécu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Moi, je trouve que c'est important de tirer les enseignements de ce qu'on a vécu, que ce soit bon, mauvais, peu importe. Mais je crois que dans toute situation, le Seigneur nous apprend quelque chose. Et je trouve que ces 50 jours-là qu'ils ont passés depuis l'ascension du Christ, qu'ils ont vécu en confinement, je pense que ça a été un peu comme un tombeau pour eux. Ça a été un peu comme un tombeau parce qu'il y a plein de choses qui sont mortes dans ces jours qu'ils ont passés là, en confinement. Peut-être c'est pareil pour vous, peut-être qu'il y a des choses qui sont mortes pendant ce temps de confinement. Et moi, je le vois vraiment comme un tombeau. Et moi, je veux proclamer que c'est le tombeau de l'orgueil personnel, c'est le tombeau de l'orgueil de l'Église, de l'orgueil humain, quoi, en fait, cette prétention qu'on va pouvoir créer quelque chose, construire quelque chose par nous-mêmes. C'est l'orgueil de nos anciennes croyances aussi. Ces disciples, ils avaient des tas de croyances même sur Jésus qui n'étaient pas justes, en fait. Jésus a passé leur temps à réajuster tout ce que les disciples pensaient savoir sur lui, pensaient savoir sur Dieu, pensaient savoir sur eux-mêmes. Il a passé son temps à réajuster les choses. Et là encore, ben, c'est un temps qu'ils ont passé pour mûrir tout ça, pour faire tomber en terre, pour enterrer toutes ces choses qui n'étaient pas ajustées. En fait, qu'est-ce qui est le pire ennemi de la mission? Je crois que c'est l'ego. Et en fait, ces personnes ne pouvaient pas partir en mission tant que ce n'était pas enterré, ça. Tant que tout ce qui encourage l'ego, ah ben moi je croyais en un sauveur qui allait installer son règne de manière visible, tout de suite sur terre, que tout le monde allait plier le genou de manière spectaculaire, je vais devoir enterrer ça aussi parce que finalement, c'est d'abord, il doit d'abord vivre en moi. Et il y a encore des ennemis de la parole de Dieu, des ennemis invisibles, et il y a encore de la résistance. Et moi, ma mission, c'est d'aller annoncer la bonne nouvelle malgré les résistances et malgré les circonstances difficiles. Donc ça, c'est déjà un énorme truc à enterrer. Ça, ils ont dû l'enterrer, définitivement. Ils ont dû enterrer plein de choses personnelles que j'imagine plus ou moins et qui sont, je pense, juste les nôtres, en fait, aujourd'hui aussi. Nous avons des choses à enterrer, nous avons des choses qui sont liées à nos propres aspirations mais qui ne sont pas dans le plan de Dieu, des conforts personnels, etc., etc. Je ne sais pas comment vous avez vécu ce confinement. Certains l'ont très mal vécu, d'autres l'ont trop bien vécu. Youpi, je suis tout seul, je vois plus personne. Ouf, je suis pas sûre que ce soit super bien non plus. Mais voilà, peu importe comment vous l'avez vécu, que ce soit trop mal, trop bien, il y a des choses à enterrer. Et peut-être c'est le moment de proclamer qu'elles sont bien enterrées. Par exemple, moi, j'ai enterré définitivement le fait que j'ai pas besoin des autres, en fait. Que tant que j'ai moi et mon Dieu, ça suffit. Ça, je l'ai définitivement enterré. J'ai absolument besoin des autres. J'ai absolument besoin de mes frères et sœurs. Et Jésus l'a prévu comme ça. Il a prévu que son Église fonctionnerait avec cette codépendance, avec son Saint-Esprit et les uns avec les autres, avec l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans la vie de chacun. Et il a prévu ça. Nous sommes faits pour vivre dans cette codépendance, en fait. Une codépendance joyeuse, pas un esclavage. Quelque chose de vraiment, un lien fort.
Et ça, je l'ai définitivement enterré. J'ai enterré aussi le fait que j'avais mieux compris certaines choses que d'autres, que j'étais plus juste que d'autres. Dans le confinement, il y a plein de choses qui se révèlent. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais il y a des petits péchés qui ressortent par-ci, par-là. Il y a des petites pointes de machin, de personnalité qu'on pensait avoir. Et en fait, ça aussi, c'est important de le déposer dans le tombeau, en fait. De dire, j'ai toujours et encore besoin de l'Esprit-Saint. L'œuvre n'est pas finie, l'œuvre n'est jamais finie. Je ne suis pas injuste, je suis justifiée, mais je ne suis pas injuste, je ne suis pas impur. J'ai besoin de mon Sauveur, dans mon quotidien, dans chaque seconde de ma vie. Il y a plein de choses à enterrer. Je ne sais pas quelles sont les choses que vous avez dû enterrer, mais il y a des choses à proclamer vraiment mortes. Première des choses que je trouve extrêmement importante et que ses disciples ont eu à vivre. Et avant de partir en mission, il faut proclamer ces choses enterrées. Il y a aussi autre chose qui est hyper important, c'est ce que je viens de dire, c'est cette importance de proclamer que j'ai toujours besoin de Dieu. J'ai toujours besoin de Dieu. Et les disciples n'auraient pas pu vivre un confinement éternel, et nous non plus. On était très contents, comme j'ai dit tout à l'heure, de trouver une créativité, et l'Esprit-Saint nous a poussés à cette créativité pendant le temps de confinement, pour rester en lien les uns avec les autres, pour rester l'Église, pour rester missionnaire. Et je pense vraiment qu'il y a des plans de Dieu qui se sont accomplis comme ça. Mais il y a un moment, ça doit s'arrêter. Il y a un moment, ça doit prendre fin. Et les disciples, il y a un moment où ce qu'ils attendaient devait venir. L'Esprit-Saint devait venir ponctuer leur attente. Il devait venir guérir leurs blessures personnelles. Il devait venir avec puissance pour les envoyer en mission. Il y avait ce moment qui était absolument nécessaire pour que l'Église commence enfin à être visible, à être sel et lumière dans le monde. Et pour nous aussi, il y a un moment, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de moment. En fait, quand on attend, on peut attendre très 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 longtemps. On peut attendre un truc indéfini pendant une durée qui s'étale. Et au bout d'un moment, on se retourne, on se dit, mais j'ai attendu quoi en fait ? Il y a des gens, on le dit souvent, on raconte souvent cette blague, il y a des gens qui disent tout le temps, je vais écrire un livre, mais qui ne l'écrivent jamais. Il y a des gens, ils disent, j'attends un signe de l'Esprit-Saint. Mais en fait, ils attendent quelque chose qui est tellement lié à leur propre vision qu'en fait, ils n'entendent pas la voix de l'Esprit-Saint qui dit « Stop, maintenant, vas-y !» Et ça, c'est hyper important. Il y a un moment, l'Esprit-Saint, il vient dans ta vie. Et si tu as enterré vraiment tout, normalement, tu peux te mettre vraiment à l'écoute. Normalement, tu peux vraiment le voir venir, le voir parler, le voir t'envoyer, peut-être de manière totalement différente que tu avais imaginé. Et ça, c'est vraiment la deuxième chose la très importante. À un moment, le confinement, ton attente prend fin. Et tu es envoyé. Autant tu as toujours besoin de compter sur lui, autant il y a un moment, il compte sur toi. Il compte sur toi. Il compte sur toi pour œuvrer avec toi, pour être ton collaborateur auprès de tous ceux qui attendent à l'extérieur. Ça, c'est hyper important. Et la dernière des choses que je veux partager, c'est vraiment, n'oublie pas. N'oublie pas ce que Dieu a fait pour toi. C'est très facile d'oublier. En fait, on a tellement une facilité, les uns et les autres, d'oublier des choses. On a tellement de facilité à oublier, surtout les bonnes choses, en fait. Je ne sais pas si... Alors, peut-être qu'il y a des gens qui sont différents, qui sont naturellement hyper optimistes, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui n'oublient pas du tout les fautes qu'on a fait, enfin, les erreurs qu'on a fait à leur égard, mais qui oublient toutes les bénédictions dont ils ont été l'objet, qui oublient « Ah bah tiens, cette personne, elle m'a fait un compliment, mais je l'ai oublié. » Parce que voilà, sur le moment, ça m'a fait plaisir, mais je l'ai oublié. Et de la même manière, nous oublions énormément de choses, je crois, dans notre vie avec Dieu. Nous oublions tout ce qu'il a fait pour nous. Et que l'Église n'oublie pas. Que l'Église n'oublie pas ce que l'Esprit a fait à la première Pentecôte en proclamant la mort de l'ego, en proclamant la mort de l'ancien homme, en proclamant la mort de l'orgueil humain. Et en proclamant la vie de l'Église et la vie de tous ceux qui s'attachent à Christ. N'oublions pas ça. Et n'oublions pas ce qui s'est passé le jour de notre conversion. N'oublions pas que nous avons encore et toujours besoin d'attendre que l'Esprit-Saint nous envoie. N'oublie pas que la même chose qui s'est passée au moment de ta conversion ou au moment de tel miracle que peut-être tu peux marquer dans le temps, que n'oublie pas que ce même Esprit, avec la même puissance, est encore à l'œuvre aujourd'hui. Il est encore à l'œuvre aujourd'hui, avec la même puissance, avec le même amour. Lui ne tarit pas. Nous, on tarit dans nos émotions. Hein, mais lui ne tarit pas. Lui, il ne, il ne,
il ne s'épuise pas. Et il a toujours envie de souffler sur son Église. Et aujourd'hui, moi, j'ai vraiment envie de prier pour un esprit de créativité et d'optimisme sur l'Église. Nous ne sommes pas juste des chrétiens les uns à côté des autres qui profitons d'une vaste vérité dogmatique. Nous sommes le corps vivant de Christ. Nous sommes le corps vivant de Christ qui a été appelé à la vie. En fait, le message, c'est sortir du mode survie pour aller à la vie. C'est ça, en fait. L'Esprit Saint nous invite à quitter notre mode survie pour accéder à la vie en abondance. Et la vie en abondance, ce n'est pas une vie de confinée à l'intérieur, ce n'est pas ça. C'est une vie qui est tellement sûre, en fait, de son Sauveur qu'elle ne craint rien. Ça ne veut pas dire que je vous invite à tous à faire tourner les masques. Vous m'avez bien compris, c'est vraiment un état d'esprit. C'est vraiment votre foi qui doit sortir de votre cœur. Voilà, qui doit transpirer, en fait. Et on n'est pas confiné, au nom de Jésus, on n'est pas confiné à l'intérieur. Ça, c'est peut-être le plus grand des enseignements que nous avons reçus ces derniers temps. N'oublie pas que l'Esprit souffle avec la même puissance. Et nous avons usé de créativité pendant ce confinement, nous userons d'autant plus de créativité. Après, maintenant, c'est maintenant, en fait, c'est l'heure, c'est maintenant, c'est pas après, c'est maintenant. Je me pose, je me mets à genoux devant mon Seigneur et je dis, ok, je suis une pierre de ton temple, je suis une pierre de ton Église, je t'invite Seigneur, je t'invite Esprit Saint à venir définitivement guérir mes failles, à venir définitivement enterrer ce qui n'est pas ajusté, et je me tiens à ta disposition. Je me tiens à ta disposition pour l'œuvre grandiose que tu as pour ton Église, Pentecôte 2020. Je me tiens à ta disposition pour œuvrer avec mes frères et sœurs, qui ne sont pas juste des individus dont je ne comprends rien de la vie, mais qui sont des gens qui sont connectés à moi d'une manière extrêmement intime, en fait. Finalement, je crois que l'Esprit Saint crée une intimité qui nous fait avancer, les uns et les autres. Je crois vraiment en ça. Alors, cette intimité féconde, en fait, cette intimité dans laquelle il peut naître des choses incroyables. Une écoute plus profonde, une action plus efficace, des paroles qui réconfortent, des paroles qui créent, des paroles qui restaurent, qui relèvent. Et l'Esprit Saint, aujourd'hui, comme la première Pentecôte, continue de parler au cœur de chacun, dans la langue qui est la sienne, de la même manière. Et l'Esprit Saint, de la même qu'à la première Pentecôte, continue de guérir des gens, physiquement, mentalement, moralement. Il continue de faire ça, il continue de relever. Alors je vous invite à la prière pour que cet Esprit Saint nous touche chacun, aujourd'hui. Oui, Père éternel, merci pour ton Fils. Merci parce qu'il a inauguré un règne qui s'étend encore aujourd'hui. Et tout recommence, à la fois rien n'est exactement pareil. Et Seigneur, tu prends ta joie à venir nous dire à chacun, fais-moi confiance, il y a encore du nouveau à vivre. Fais-moi confiance, il y a encore quelque chose que nous allons faire ensemble. Il y a encore mon esprit qui veut te toucher. Seigneur, je te prie pour que chacun entende cette voix ce matin. Que vraiment nous soyons à l'écoute, attentifs de ce que tu as d'extraordinaire à créer à travers ton Église. Merci parce que cette Église, non seulement tu veux créer à travers elle, mais tu veux la créer, elle, encore. Tu veux la remodeler. Tu veux lui donner de nouveaux contours. Tu veux que nous soyons souples pour ça aussi. Je te prie, Seigneur, pour que tu viennes aider les uns et les autres à enterrer aussi des choses, à proclamer que c'est vraiment enterré. Toi, tu l'as déjà enterré, mais peut-être que ce n'est pas encore totalement effectif pour certaines personnes. Peut-être qu'ils ont du mal à accorder leur foi dans le fait que tu l'as enterré, que tu l'as crucifié. Cette partie d'eux-mêmes qui résiste à ton œuvre. Parfois, c'est de l'apitoiement sur son sort. Parfois, c'est des pensées noires du genre « je ne sers à rien », du genre « je suis trop indigne ». Parfois, c'est juste ce genre de pensée. Viens aider mes frères et mes sœurs, moi-même, à enterrer définitivement ce genre de choses qui freinent l'œuvre de ton Esprit Saint, l'œuvre de ton Église. Et Seigneur, viens lutter contre notre oubli, viens nous rappeler
nous rappeler que tu es toujours, toujours le même, éternellement, que tu ne changes pas. Viens nous rappeler que tout ce que tu as déjà fait dans notre vie et qui et tous les possibles que tu ouvres encore devant nous. Oui, Seigneur, je te remets chacun de mes frères et sœurs, ceux qui sont ici, ceux qui sont en train de nous regarder. Et nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur, et nous te faisons confiance. Envoie ton esprit, viens relever ton Église, viens la motiver, lui donner l'esprit créateur, au nom de Jésus-Christ. Amen.